Donc, on va vous laisser en musique le temps de vous détendre, le temps de savourer un peu, de mettre les idées en place, préparer déjà les questions. Et puis, je reviens un peu le temps. Merci. La régie, tu peux nous donner un son, s'il te plaît. Tu disais dans le blues, le gospel, le jazz. Ah, c'est super! On peut applaudir! Quelqu'un d'autre encore? Ah, moi, je sors d'ici, je sors moins bête parce que j'apprends auprès de vous. Quelqu'un d'autre? Il n'y a plus personne. Vous êtes timide, vous ne voulez pas parler. Quelqu'un d'autre? Il n'y a pas de honte, on est là pour apprendre. Personne n'a fait de recherche. C'est quoi une masterclass alors? À votre avis. C'est quoi une masterclass? Oui. Bonsoir à tous. Maintenant, Justin Kwame. Pour moi, un masterclass, c'est un moment de partage d'expérience pour le musicien expérimenté, pour, disons, étaler des méthodes et des secrets pour permettre à nos jeunes et à moi, la musique, de pouvoir plus ou moins valoriser le potentiel que nous avons au travers de la musique. C'est super. Merci, on peut applaudir. Pour moi, c'est Ange Guimier. D'accord, enchanté Ange. Pour moi, bon, quand on parle de masterclass, c'est une classe à travers laquelle le maître peut dispenser des cours et des secrets pour pouvoir enseigner ou bien donner des pistes. D'accord. Voilà, pour renforcer le niveau des apprenants. Ah, mais c'est super. Donc, tu connaissais tous ces buts, tu ne pouvais pas parler. Mais si on peut l'applaudir. Mais il est ici, là, vous parlez aussi. Tonton, parle-vous, parlez. Tiens. Oui, bonsoir, madame. C'est quoi votre nom? Le nom, c'est Cyril Anato. Enchanté. Merci, plaisir partagé. Pour moi, une masterclass, c'est d'abord un mot d'anglicisme. Masterclass, d'où maître classe. C'est un moment de partage, un moment où le maître ou un artiste reconnu comme Jean Ebo vient partager son savoir avec les élèves et les apprenants. Ah, c'est super, en plus il parle bien, franchement, félicitations. Merci. Bonsoir à tous. Je suis Mademoiselle Yao Anna. Je suis chargée de vous entretenir tout au long de cette masterclass. Nous allons passer environ 2h à 2h30 d'apprentissage, d'amour, d'expérience et tout. Donc, bienvenue à notre masterclass organisée par le groupe Asena Event. Et nous avons le plaisir, vraiment, c'est un plaisir, c'est un privilège pour nous de passer ce temps-là avec vous. Sans plus tarder, avant que le formateur ne puisse arriver, avant tout en temps, excusez-nous aussi, il y a des musulmans ou pas, nous ne sommes chrétiens. Et nous voulons prendre juste la paix, juste 5 minutes, pas plus cela, c'est trop même 5 minutes. 2 minutes pour vous dire merci au Seigneur qui permet toute chose, qui permet que cet échange-là puisse avoir lieu et lui dire merci pour tout ce qui va se passer. On peut s'il vous plaît se tenir debout pour ceux qui sont devant, désolé. Nous prions un moment maintenant, mais avant d'appeler notre maître, je veux ici appeler l'homme qui a organisé tout ce moment, sans qui on ne serait pas là ce soir. C'est mon boss, mon patron, on va dire ça comme ça. Je l'appelle affectueusement mon papa. C'est M. Kwasi Wilfried, appelé sous le nom de Andeka pour nous présenter la scripture Even à Sena Event. Merci sur le nom. Ok, bonsoir à tous. Je suis, comme elle a dit, Wilfried Kwasi, à l'état civil. Mais c'est Andeka Blessing, mon nom d'artiste, mon nom de musicien. Alors, je suis bassiste professionnel, musicien professionnel, je suis aussi coach vocal, un peu tout ça. Alors, AEG, c'est quoi? Vous pouvez le constater déjà, Asena Event Group. Voilà. Nous faisons tout ce qui est événementiel. Voilà, on a beaucoup de choses. Je prends un exemple pour celui qui veut organiser son mariage, par exemple, et qui ne veut pas réfléchir.
la personne nous contacte, elle nous contacte pendant, on vient vers elle, elle nous donne un peu son budget et puis nous on lui fait une proposition par rapport au budget présenté. Maintenant ensemble on essaie de trouver une évaluation et puis on organise son mariage. Voilà, c'est un peu ça. Ça peut être un mariage, un anniversaire, une dot, en tout cas, un truc comme ça. Maintenant, à côté de ça, on a des activités, comme vous pouvez le constater, les masterclass. Si vous remarquez, il est un peu difficile pour nous qui apprenons à jouer des instruments de côtoyer ceux qui sont un peu avancés. Alors, pourquoi ne pas créer une plateforme qui va nous permettre de facilement être en contact avec eux, leur poser des questions relatives à des thèmes qu'ils vont développer, qui vont vraiment nous amener à mieux comprendre les choses et à mieux exercer dans nos différentes localités. C'est en ce sens-là qu'on a créé cette activité de masterclass où on va inviter plusieurs grands artistes, musiciens de ce pays autour desquels on va organiser des thèmes bien précis. Aujourd'hui, par exemple, comme vous pouvez le constater, c'est avec le master Jean Ebo qui va venir nous expliquer un peu la théorie du 251 dans tous les contextes. Voilà. Tout à l'heure, sera là. Après ça, nous aurons encore toute masterclass, bass day, drum day. Drum day, là, c'est au niveau de la batterie. On va nous apprendre comment faire les rudiments, les paradiddles, tout ça. Il y aura aussi au niveau de la guitare, il y aura aussi au niveau des voix. Voilà. Aujourd'hui, vous verrez même une invitée spéciale sera là. Elle est coach vocal. Certains la connaissent déjà, Maman Santé. Voilà. Elle va nous apprendre aussi. On va organiser aussi des masterclass autour d'elle. Elle va nous apprendre des choses. Il y a aussi Gijo Code aussi, qui est aussi le truc. Il va nous apprendre encore beaucoup de choses. Donc, on dit que ce n'est que la première activité, il y en aura d'autres sur d'autres thèmes où ils vont vraiment éclairer notre mentalité sur beaucoup, beaucoup de choses et ça va nous amener à arriver loin, 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 loin. Alors, ce n'est pas pour quelqu'un qu'on le fait, c'est pour vous qu'on le fait. Parce que si c'était pour nous, on allait dire bon, c'est 10 000 ou 15 000. Mais c'est pour permettre à tout le monde vraiment d'avoir accès facile à la chose et puis mieux servir depuis sa position. Raison pour laquelle le prix est juste. À 5 000 francs. 5 000 francs, c'est vrai, c'est beaucoup, mais c'est pour le local, c'est pour le transport des artistes qui vont venir, c'est pour toute cette petite organisation qui est autour, vous voyez. Voilà, sinon on pourrait faire ça gratuitement. Voilà, c'est un peu ça. Donc vraiment, merci à tous d'être venus. Sentez-vous libre. Tout à l'heure, l'artiste sera là, il va présenter. Vous avez vos bloc-notes déjà. Ma fille, elle vous a déjà donné la consigne. Puisque c'est payant, on ne peut pas filmer. Vous voyez un peu. Voilà. Parce que si vous filmez en ce moment, vous êtes là pourquoi? Vous avez payé vos 5 000 francs pour venir apprendre. Il y a déjà quelqu'un qui va se charger de garder tout ce qui est image, tout ce qui est vidéo. Il y a une prise de son qui est en train de se faire. Après, ça va sortir, on pourra bien profiler et puis vous le faire savoir. Mais soyez concentrés, prenez votre bloc-notes ou alors si vous pensez que vous ne pouvez pas vite prendre, vous pouvez juste activer votre enregistreur vocal, au moins pour enregistrer tout ce qu'il dira à la maison, vous pouvez réécouter. C'est vraiment important. Donc, je vous souhaite de passer un très bon moment. Et puis que ça ne soit pas un regret. En tout cas, pour moi, ça ne sera pas un regret parce que je sais qu'on va apprendre beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse et bon après-midi à tous. Dimension. La régie, vous pouvez nous donner juste un petit son, le temps que notre maître puisse s'installer. Il n'a pas commencé directement comme ça. Il a commencé par la percussion à l'église et tout et tout. Après. Il sentait que c'était un peu bizarre. Il n'avait pas encore trouvé sa voix. Il est allé à la guitare. Bon. Il trouvait qu'encore là, c'était pas ce qu'il voulait vraiment. Il allait au piano. Et là, il s'est senti vraiment, vraiment bien. Donc, c'est quelqu'un qui touche un peu à tout. Tout ce qui est instrument et tout. Il a une particularité, c'est que il aime créer. Il est créatif. Il aime faire découvrir de nouvelles choses. Et vous allez le découvrir tout à l'heure par son jeu, par son apprentissage ce soir. C'est quelqu'un de très courageux. C'est quelqu'un qui représente dignement notre pays, tant au niveau national qu'international. C'est quelqu'un qui est rempli de beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Je sais que j'ai dit peu. On ne va pas. Je ne sais pas même si j'ai dit la moitié même de ce qu'il fait et tout. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est notre frère Jean Ebo qu'on va appeler ici maintenant sous vos ovations. Ovation bien nourrie pour notre frère, notre maestro.
Il est venu avec plein de surprises, donc on va lui laisser la lourde charge de présenter ce avec qui il est venu. Et puis bon, je crois que vous allez nous donner deux en titre le temps de peaufiner tout et puis commencer la masterclass. C'est bon? Ok, ok, merci beaucoup. Merci à Asena Events Group, merci à Dosh, merci à Bana et mon ami Madoché. Bonsoir à vous, je suis très content de vous voir. En vrai, j'avais hâte d'être là. Voilà. Il y a une petite balance qui m'a retardé un peu, mais on est là. Dieu a fait grâce, on est là, nous tous on est là. Il y a des gens qui arrivent encore. Voilà, il y a des gens qui arrivent encore. Et puis comme elle a dit, je ne suis pas seul. Je suis venu avec des amis que vous connaissez sur les réseaux, des grands musiciens. Voilà. Bon, enfin, on garde pour le moment la surprise. Voilà. Au moment voulu, voilà, venez voir. On est venu pour apprendre, hein? Donc on va aller direct. On va aller direct. Si je te demande à toi, c'est quoi les 2-5 heures? Ça a commencé, hein? Ça a commencé comme ça. Micro. Genre, il ne sait pas. Hein? Il doit partir. Ah, ok. Non, mais dis quelque chose au moins. Ok, pour moi, le dessin. Tu te présentes avant? Je vais prier toi, Dieu. Voilà. Pour moi, le 2-5-1, c'est une progression d'accord, voilà, qu'on utilise le plus souvent dans le gospel, le jazz, le new, en tout cas, plusieurs styles de musique, voilà, pour ça, les thèmes donnés. Ma part, hein, voilà. Deux autres personnes depuis. Pour moi, c'est ce qu'il a dit, c'est une progression d'accord, mais plus utilisé comme un passage d'un degré à un autre degré. Un degré, progression, passage, dernière intervention. Qui d'autre? Apprendre les 2-5 heures. Voilà. Ouais, je vais parler en général de ce que je fais comme musique. Voilà, c'est quoi mon processus depuis le début jusqu'à là. Et puis, surtout, je sais que vous n'avez pas envie de le dire, ou bien vous allez le dire peut-être après, je vais vous parler de comment je fais pour improviser. C'est que ça intéresse forcément quelqu'un. C'est un peu ça. Et puis, à part les 2-5-1, il y a d'autres approches encore que je vais montrer. Donc, en gros, on va beaucoup apprendre aujourd'hui. Voilà. Donc, sentez-vous libre. Hein. Sentez-vous libre si vous avez une question pendant le cours. Et aussi, on va jouer quelques morceaux tout à l'heure. Donc, si vous sentez les morceaux, vous pouvez les deux bouger, vous pouvez danser. Voilà, on avait se détendre. Apprendre et se détendre, c'est ce qu'on est venu faire ce soir. D'accord. Donc, avant que les gars n'arrivent, faut que tu te sur le thème. Thank you.
Jouer de façon ébologique. Je crois que vous avez constaté avec moi, je viens de voir quelqu'un de très talentueux, comme on a tous sur le réseau. On a hâte de découvrir avec notre grand frère, notre mentor, tout à l'heure sur la scène. Moïse Lafrique, le temps qui s'apprête, voilà. Il va nous jouer quelque chose encore le temps qui s'apprête. Et puis, bon. Thank you.
j'avais pas dit dans la carte, c'est que notre frère, il chante super bien. Et c'est un grand danseur aussi, donc on aura l'occasion de voir tout ça. Même pas. D'accord. Faites du bruit pour moi, c'est la vie. Avant de parler des 2-5-1, je veux me rassurer qu'on a une bonne maîtrise des accords. Parce que de toute façon, c'est avec les désaccords qu'il faut faire les 2-5-1. Ok. Donc il va me dire combien de types d'accords on a. Ça c'est rapide. Hein? Combien de types d'accords on a. Oui. Présentation. Ok. Selon moi, on a deux types d'accords. C'est deux types d'accords maintenant avec. On a deux types d'accords, les accords majeurs et mineurs. Maintenant, on a les enregistrements. Ok. Bon, qui complète? Bien. Vous êtes tous d'accord? Ok. Moi, c'est Samuel Kofi. Je pense qu'en mon sens, nous avons plus de deux types, c'est-à-dire nous avons majeur, mineur. Nous avons aussi les diminués, les augmentés, les semi-diminués. Et puis, par la suite, les gens qui sont... Bon, l'homme est gaucher, hein? Ouais. D'accord. J'ai une autre couleur pour parler des différents types d'accords. Parce que les deux accords, en fait, c'est deux couleurs. La joie, la peine, la douleur, c'est ça, en fait, les deux accords. Ok, donc, il a dit mineur. Oh, on comprend, non? Ouais, hein? Oui. Ok, il a dit diminuer, ensuite augmenter. Augmenter, ça finit? Demi-diminuer. Demi-diminuer, en vrai. Tout le monde est en train de faire. Ok, suspendu, c'est dans ce qu'on appelle les majeurs mineurs. Donc, la dominante. Ce qu'on appelle la dominante, majeur mineur. Demi-diminué. Est-ce que ça suffit, ça? Il y a un truc pour vous. En vrai, c'est comme on va faire rapidement une étude des accords. Ça sera vraiment bénéfique. Ça sera bénéfique pour tout le monde. Voilà. Il y a six types d'accords. Les principaux, c'est ceux-là. Quand il dit principaux, ceux qu'on utilise de façon dans la composition, en fait. Voilà. Et les autres sont utilisés soit comme passage, ou bien soit pour construire les principaux. Je vais vous expliquer ça. Donc, vous avez celui-là, et celui-là. Pourquoi les principaux? Quand vous prenez la gamme de Do majeur, l'harmonisation, ça vous fait quoi? Do majeur, next. Bon, prenons ça en termes de septième. Do majeur 7. Ré mineur 7, ensuite Ré mineur 7, ensuite on s'arrête là. En fait, aujourd'hui, en 2023, il y a des gens qui disent que sol dans la gamme de Do, c'est un accord majeur. C'est faux, c'est pas un accord majeur. Qui va me dire pourquoi c'est pas un accord majeur? Sol, c'est pas un accord majeur. Il y a deux accords majeurs dans une gamme. Retenez ça aujourd'hui pour ceux qui ne savent pas. Il y a deux accords majeurs, le premier degré et le quatrième degré. C'est tout. Celui qui vous a dit n'importe où, où on vous a dit qu'il y a trois accords majeurs, vraiment c'est pour les amateurs. Là je parle de musiciens. Nous qui faisons la musique là, il y a deux accords majeurs. Il y a deux accords qui se comportent comme des majeurs. Voyez. Sol, on l'appelle pas majeur, on l'appelle dominante. Le cinquième degré d'une tonalité, d'une gamme, on appelle ça dominante. C'est pas un accord majeur. Un accord majeur suppose une septième majeure. Voyez. Pour faire la différence, un accord majeur, quand on dit l'accord est majeur, c'est que sa septième aussi est majeure. C'est pas en vrai. Moi, quand je parle des accords, je pars sur les septièmes en fait, à la base. Quatre sons. C'est à partir de quatre sons qu'on trouve vraiment la qualité d'un accord, la couleur d'un accord. Pas trois sons. Si c'est trois sons, un sol est vraiment majeur. Voilà. Mais quand en l'étant, il est plus majeur, il devient dominant. Donc, dans une tonalité, on a deux accords majeurs. 1 et 4. L'autre, on l'appelle le dominant. Ensuite, donc, sol. Ensuite, la et quoi? La mineur 7. Ensuite, si diminué. Non. Deuxième et 1.
demi-diminuer, demi-diminuer, diminuer, c'est pas la même chose. Donc, formule deuxième. Formule. En fait, ça c'est le B.A.B.A. avant de rentrer dans le vif, parce que ça sert à quoi de savoir les principes sans toutefois construire, mais de savoir construire les exemples. Donc, formule. Pour l'accord majeur, ça fait 1, 3, 5, M7. Ouais. Donc pour mineur, ça sera quoi alors? 1, 3B, 5, 7, B7, il y a 7B. C'est ça en fait. Un accord mineur, ça se tient, mais il est mort. Ok, d'accord. Donc ensuite, dominante. Dominante, ça fait quoi? 1, 3, 5, 7B. Vous voyez qu'il y a, vraiment une différence entre ça et ça. Voilà, donc ça ne peut, pas être accord majeur. Et là, on voit notre. Vous le connaissez? Je ne vais pas parler, lui-même va parler de lui. Ok, right. D'accord. Donc, on a commencé. Ok. Donc, majeur, mineur, dominante, demi-diminué. Donc, demi-diminué, ça fait quoi? 1, 3B, 5, 5B, 7B aussi. 7B aussi. 1, 3B, 5B, 7B. Ok, maintenant, diminuer. Diminuer, ça fait quoi? 1, rapidement, 3B, 5B, 6. 6. 6. 6. Là, d'accord, diminuer en vrai. Mais bon, d'accord. Pour succession, c'est d'accord. Maintenant, ensuite, une tonalité. Une tonalité, c'est le nom de la gamme. C'est le nom de la gamme. C'est pas clair. Si un blanc il va avoir le point franc, il faut dire un truc qui va le consommer. On doit un truc scientifique en même temps. Une tonalité, c'est pas le nom de la gamme. Une tonalité, c'est. Ah, non, je vois ça, j'ai pas de gamme. Non, alors, la gamme, il faut ajouter. Faire du bruit pour le second, là, on va voir. Excellent, merci. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à la gamme. Je pense qu'il faut ajouter notre conjointe et successive. Donc successive et conjointe. Parce qu'elles peuvent se suivre, mais elles peuvent ne pas être conjointes. Voilà. Pour la gamme. Ça, c'est vraiment un détail qu'il faut noter. Parce que dans la tonalité, quand on va donner la définition de la tonalité, c'est des notes qui se suivent aussi, mais elles ne sont pas conjointes. En vrai, moi ce que je veux montrer, c'est les différences. Parce que quand on dit tonalité, gamme et mode, à la base c'est des notes conjointes et successives et tout. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les trois? Ce que je veux voir quand même. Donc la tonalité, en vrai, pour aller plus vite, c'est le fait que chaque note de la gamme prenne une fonction. On dit la tonique, la seconde. Du moment où on parle de tonique, c'est bon, là on est dans la tonalité. La tonalité, c'est quand les notes d'une gamme prennent une fonction. Voilà, vous avez une tonique, vous avez une seconde. Sinon, si c'est la gamme tout court, c'est la gamme, on dit là, la gamme. Mais quand on parle de tonalité, c'est que vous parlez en même temps de fonction, en fait, des différentes notes. Voilà. Vous avez une seconde. Et c'est ce qui vous permet, en fait, grâce à l'oreille musicale, de trouver des tonalités, voilà, accompagner. Donc pour la tonalité, il faut ajouter la notion de fonction des différentes notes. Et pour le mode, c'est quoi? Le mode, en fait, c'est rattaché à chaque accord. On prend une gamme, il y a les accords, hein? Le majeur, donc le mode, par exemple, dans les 7 modes, chaque mode de la gamme est rattaché à chaque accord. Et en fait, le mode, c'est, si vous voulez, c'est la source de construction
la source à laquelle un accord se construit, tant harmoniquement que mélodiquement. C'est pour dire, quand vous avez par exemple un premier degré, il faut jouer quoi? Le mode ionien. Parce que c'est dans le mode ionien là, que l'accord du premier degré là, trouve sa construction en termes d'harmonie, trouve aussi sa construction en termes de mélodie. Donc le mode, c'est la source harmonique et mélodique des accords. Ça, c'était. Sans parler des extensions et tout. Parce que si vous avez un Do majeur 7, vous pouvez l'enrichir en tant que quoi? Do majeur 7, 9, Do majeur. En fonction de son mode, tout à l'heure je dis que c'est dans le mode que l'accord construit sa couleur. Donc en fonction des différents modes de l'accord, vous pouvez. Numéro 2, vous parlez d'accord, un accord a une fonction. Donc quand vous avez un majeur, les fonctions, ça sera quoi? Un accord majeur. Rapidement, soit il est sur les degrés, comme ça va être libre, soit pour les quoi? Les fonctions pour un mineur, ça sera. Les fonctions pour la dominante, voilà, le type d'accord. Maintenant, les fonctions pour les musiciens, c'est pas encore le c'est pour ça. Sa fonction, c'est 7ème degré. Donc, c'est ça les fonctions de l'accord. Un accord a une couleur, on vient de voir. Un accord a une fonction. Voilà. Ça va vous aider quand vous allez harmoniser, quand vous allez jouer, arranger. On passe? C'est bon, on peut passer tout ça? Ouais. Ok. Donc on a la propriété de l'accord, il y a quoi encore? On sait que l'accord a une couleur, a une fonction. Un accord à ce qu'on appelle la famille. Comprenez quand vous dites la famille. Par exemple, quand vous dites Do, substitué par quoi? La mineur. Ou encore. Hein? Et pourquoi? Pourquoi on remplace Do par la mineur et on remplace Do par la mineur? Ok, donc pourquoi on appelle ça? C'est des relatifs. Relatifs. Ok, d'accord. Donc, dans les familles, d'accord, vous avez des relatifs. Comme ça. Pour avoir les relatifs de l'accord, il faut l'exploser. Que ce soit d'abord, vous avez Do, par exemple, c'est Do, Mi-Sol. Donc, quand vous explosez Do, vous allez juste ainsi. Donc ça vous fait mineur. Quand vous exposez le Do en arrière, vous avez La. Donc ça vous fait La mineur. Ça fait les relatifs. Ok. Donc après les relatifs, vous connaissez quel autre type de famille? La famille des substitutions. La famille des substitutions. Oui, mais on est dans les familles en fait. Mais la famille de l'accord permet en fait de substituer. Tu vois? C'est la solution là. Ça vient du fait qu'un accord est une famille en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Et cette famille là, on dit, moi je suis Jean Lebeau. Lui, monsieur Paul Lebeau. Le Jean Lebeau n'est pas là, il peut me représenter. Donc là, Do étant souvent pas disponible, la mineur peut me remplacer. Ou bien Do étant trop utilisé. Donc, vous voyez non? Ce que ça veut dire. Donc la famille d'accord permet de substituer, mais aussi. De faire une collaboration. Souvent, il y a des chansons où, plutôt que de remplacer le Do par la mineur, on joue les deux Do dans la mineur. Donc, la famille permet de faire une collaboration ou bien une superposition. Voyez-vous jouer par exemple, vous jouez un Do, et dans le Do là, vous rajoutez le La mineur en fait. Ça vous fait quoi? Un Do quoi? Do 6. Là, vous venez de superposer en fait la mineur sur le sujet. Donc, les familles d'accord en fait
vous donne trois possibilités, trois actions. Substituer ou bien faire collaborer. Donc, si vous faites peut-être le rapide, je ne change pas là. Je ne change pas, ça fait quoi déjà? Normalement, c'est. Ne change pas. Donc voilà. Marie, ne change pas. Je suis en droit. Fais d'autres. Fa, fa. Ok. Je veux utiliser le principe de famille là. D'abord, qu'est-ce que je peux faire? Je sais qu'il y a la mineur que je peux utiliser comme relatif. Donc j'utilise la mineur pour substituer déjà. Donc ça va me faire. Ça peut faire. Ou bien je peux faire collaborer. Les deux en même temps. Ou bien je superpose le la mineur en fait sur. Donc. Ok, j'ai mis le la mineur. C'est ça en fait la famille d'accord. Donc quand vous dites substitution, dites-vous que ça vient du principe qu'un accord est une famille. Voilà. Et il n'y a pas que la substitution. Je sais que c'est ce que vous faites en général. Mais il y a la collaboration aussi. C'est pourquoi en fait vous dites par exemple. Vous dites par exemple, Dieu notre Dieu, Dieu notre Dieu, c'est ça. Normalement c'est notre Dieu, c'est ça normalement. Mais ils ont fait collaborer Do, ça relatif. L'autre famille, en fait le nom est en anglais dans la tête, je ne sais pas comment on l'a dit. On appelle ça les twins, les jumeaux. Il n'y a pas comment on peut dire encore. Il y a un prof qui est là, il va m'aider. C'est jumeau. Hein? C'est jumeau. Okay. Si je trouve le bon concept, on va changer. Et le concept, je laisse en anglais. Ok. Donc, c'est simple. Non, ce n'est pas pour toi. Par le Do ici. En vrai, quand vous faites Do comme ça, vous faites ça. Hein? Ok. Quand vous faites ça aussi. C'est-à-dire que c'est toujours Do, mais vous utilisez les autres notes en fait de l'accord à la base. Est-ce qu'on peut faire. Avancez un peu d'abord. Donc, quand vous faites par exemple, plutôt que de jouer peut-être. Ne change pas. Souvent, vous faites peut-être ça. Vous entendez, non? C'est toujours un Do, mais on a utilisé une autre basse en fait à l'intérieur de l'accord. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous apprenez qu'il ne faut pas toujours mettre le 1. La racine de l'accord à la basse. Vous pouvez utiliser la tierce aussi à la basse. Voilà. Vous pouvez utiliser aussi la quinte aussi à la basse. En anglais, on dit twins. Je ne sais pas comment vous dites. Je ne sais pas. Peut-être il va m'aider. Mais relatif. Moi je les appelle les jumeaux. C'est-à-dire que c'est toujours l'accord en fait. Je ne vais pas vous compliquer la tâche. Sinon, il y a un autre thème encore. Okay. Les relatifs. D'accord. Vu qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de. Non, même pas. Pas encore. Faites attention. Il y a les accords d'abord, et il y a le voicing. C'est quoi un voicing? De toute façon, aujourd'hui, je sais que les gens aiment dire ça. Il a fait un voicing. Parce que c'est bien de dire, ça fait chic, mais en vrai, c'est pas ce que c'est. Ok. Le voicing, c'est l'enrichissement. Non, c'est pas grave. Non, bien sûr. Non. Le voicing, c'est une manière de faire sonner un accord. Une manière de voir les talents sur la bouche. Une manière de jouer. C'est un placement différent. Un placement différent. Une façon différent là-dessus. Le c'est renverser les mêmes. On a parlé de renversement. Renversement, c'est un renversement. Alors, vous pouvez avoir un voicing que vous renversez. Vous êtes toujours dans le voicing, mais plus le renversé. Le voicing, c'est l'organisation des voix de l'accord. Comment tu organises les voix de l'accord? Tu as peut-être deux majeurs qui font Do, Mi, Sol. La façon dont tu organises les notes là, c'est ce qu'on appelle voicing. C'est tout.
l'organisation des notes d'un accord. Vous voyez comment ça, ça sonne simple. Si vous mettez le mi là comme ça, machin, là, ça le voici. Donc, tout ça c'est bon. Il y a d'autres familles, mais comme ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on va se limiter à ça. Je pense avec les deux là, non, c'est suffisant. Déjà, c'est bon, on peut. Déjà. Ok. Justement les voici l'organisation. Ah, faites du bruit pour Mister. Ok, je vais vous montrer concernant les voici un topo de base qui va vous aider en fait à poursuivre vos voici. Quand on parle d'un accord, quelles sont les notes essentielles? Nous avons la dixième et la septième. Cool, hein? Donc, comment on appelle ça? Si vous voulez, formule de base pour avoir un voici. FD. Formule de base. Hein? Donc, tonique, tierce et septième. Donc, si je vous dis par exemple, Do dièse, Do dièse, par exemple, c'est comme ça. Do dièse majeur 7. Ça vous fait quoi? Majeur 7. Do dièse, Fa. Do dièse. Fa. Sol dièse. Do. Donc ça va faire M7 ici dans le cas de l'accord majeur. On a mis 7, mais en vrai ça veut dire que pour majeur, ça vous fait M7. Et pour dominant et mineur, ça vous fait B7. Et mineur 7. Voilà. Donc ça c'est la base d'un accord. Et comment vous disposez ça? Sur votre piano, ça vous fait main gauche comme ça. Vous avez le 1. Et puis MD, main droite. Vous avez 3 et 7. Et inversion comme vous voulez. Bon, je vous fais ça chaque. Vous avez ça fait. La pédale, ok, bon. Ça fait Do, Do dièse, Ré, Do dièse. Ok, allez, juste là. Je me suis fait sa foutre pédale. Ouais. Ok, donc voilà comment ça fait Do, Do dièse. C'est vraiment la base, quoi. Oui. Extension. Alors, on attend quoi par extension? Rapidement. 9, 11. Oui, comment facilement vous pouvez construire vous, comme vous voyez ici. Vous placez 1, 3 et 7 et ensuite ajoutez ce que vous voulez. Ça va vous donner votre son unique en fait. Voilà. Plutôt que de prendre des trucs qui sont déjà là comme ça. Moi, je verrais des pianistes. Tant qu'ils n'ont pas encore leur position de YouTube, ils ne peuvent pas encore. Ça, c'est un problème. Il faut dépasser YouTube. Ou bien aller voir quelqu'un en bon forme de vivant, en fait. Non, sérieusement. Voilà, sérieusement. En fait, tant qu'il n'est pas sur sa position ou peut-être sa 9e lèvre comme ça, voilà, c'est vraiment, il veut pas. Ce qui fait qu'il est obligé de transposer souvent par votre position. Donc voilà un peu. Maintenant, FB2, si vous voulez. Je vais vous donner. Par exemple, pour un accord majeur. Pour un accord majeur, pour avoir une belle couleur, vous pouvez faire 1. Donc 1, peut-être la main gauche. Plus accord majeur. Un mineur peut-être. 2, la 3. Accord mineur 7. Voilà. C'est un peu bizarre. Vous arrivez à lire? Donc, par exemple, si vous voulez avoir une belle couleur,
pour un accord majeur. Voilà ce que vous pouvez faire. Donc vous faites tonique à la main gauche et ici à la main droite. C'est des formules simples hein, pour vous aider à avoir des voicings sans trop chercher, sans trop vous envoyer. Donc tonique à la main gauche et ici accord mineur de la tierce. Donc si on veut l'avoir peut-être ça, on dirait normalement comme ça. Donc ça fait quoi? Pour Do, ça fait? Ça fait Do plus Mi mineur 7, n'est-ce pas? Oui. Cool. Maintenant, à l'inverse, pour le mineur, ça fait tonique plus accord mineur. Non, accord majeur. Accord majeur 7, 2, 3, 2. Donc pour Do mineur ça fait quoi? Pardon, excusez. Do mineur ça fait quoi? Do plus. Voilà. M7. Donc c'est la formule à renverser. Le renversement se passe surtout au niveau de la structure. Ce qu'il faut savoir aussi, un accord a une racine et une structure. La racine d'un accord c'est quoi? La racine d'un accord. Ouais, c'est fondamental. Maintenant, la structure, c'est tout l'accord en fait. Fondamental, tierce, tout ça. Ok. Donc, ça, c'est bon. Formule de base, 1, c'est bon, vous avez pris ça. Et 2. Il faut que je complète pour 2. Il reste un dernier. Donc, maintenant, pour les dominantes là. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple tonique plus accord demi, dim de la tierce. Donc par exemple, si vous avez peut-être un sol ici, un sol 7, on a dit. Après, on va voir ce que ça fait. Comme des chiffrages. Ça vous fait quoi, sol plus si, tout le monde comprend. C'est clair, c'est ça. Si demi-dimi, c'est pas ça, on a 7 ou ça, on a 7. Donc en vrai, ça fait comme un sol 9. Oui. Maintenant, deuxième formule, toujours pour ça, c'est accord diminué 7 même en fait, maintenant de la tierce. Donc ça vous fait ici sol plus si diminué, tout court. Ça vous fait un B9. Sol 7. B9. Vous voyez, c'est des formules simples comme ça que vous utilisez déjà. Et ça va vous aider à jouer facilement dans toutes les tonalités. C'est bon? Ça, c'est vraiment le bonus avant de rentrer dans les deux secteurs en question. On passe à un chant, c'est bon? Et vous renversez comme vous voulez. C'est bon? Ok. Ok, on est dans les deux cinquièmes maintenant. Le vif du sujet. Que chacun active son Sharingan, son... Le tour en bas. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux cinquièmes font partie des techniques d'approche aussi. Donc, dans les techniques d'approche, d'accord, ce qu'on avait vu sur le YouTube, il y avait donc, l'approche diatonique. On a fait aussi diatonique. Comment dire? On a fait donc, l'approche par le diminuer. Et puis, on a fait ça dans dominante. Approche par dominante. Ok. Donc les 2-5-1 se situe ici en fait. À la base, l'approche par dominante, ça vous fait 5. Ça vous fait 5 comme ça. 5 qui résout sur 1. Ouais. Donc 5 qui résout sur 1. Et le 5, en fait, dans le timing, peut être décomposé comme ça en 2, 5. 1. Dans 2-5-1, ça vient d'avoir le 5-1.
résolution en 5 points. Et ensuite, 5. Parce que en vrai, je ne veux pas rentrer dans le bebop et tout. En vrai, 2 et 5 sont de la même famille, c'est des relatifs aussi. Voilà. Quand vous éclatez le 5, vous allez retrouver. Par exemple, sol 7, ça ne fait pas. Sol 6, ré, fa. Mais quand vous éclatez, vous retrouvez le ré mignon, vous l'avez encore. Oui, non, ré, fa, la, deux, ré, fa. Donc c'est ça en fait. C'est des relatifs. Donc voilà comment le 2-5-1 arrive. Ça part de 5-1 d'abord. Si vous voulez, ça part de sol. Non, je ne vais pas prendre sol. Parce que les gens, ils pensent au fait que quand tu dis 2-5-1, c'est ré mineur qui va sur sol et do seulement. Non, non, non. 2-5-1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on s'apprête à utiliser l'accord de passage, donc c'est un passage, c'est une transition. Tous les degrés de la tonalité deviennent 1 en fait. Tu vois? Donc 2-5-1 pour aller vers do, premier degré de la tonalité. 2-5-1 pour aller vers ré, deuxième degré de la tonalité. Ça veut dire que le ré là, à ce moment-là, au moment du 2-5-1, il devient 1. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est ça que ça trouble un peu les gens. Le 2-5-1, quand on dit je fais 2-5-1, on se calme une progression peut-être en bas ici. Ok. Toujours Rabi. Rabi ne change pas, c'est un classique. Rabi ne change pas. Rabi est le même. Peut-être Rabi. Rabi, manifeste-toi. Rabi, manifeste-toi. Rabi, Rabi. Et ça, j'ai peut-être comme ça, on vient revenir ici. Donc voilà notre progression de Rabi Rabi. Donc c'est sur ça qu'on va essayer de mettre les 2-5-1. Ok. Donc, firewall, tout firewall. Ok, donc le premier type de 2-5-1 que vous devez connaître, c'est ce que j'appelle le 2-5-1 de dominante. Dominante, ça vous fait 2, 5 qui résout sur 1 comme majeur ou mineur. Donc ça fait un exemple. Par exemple, on va sur quoi? On va sur une chose de simple, hein? On va sur un si bémol. Si bémol mineur et si bémol. Donc ça fait quoi pour le 2? Non, do. Tout court comme ça. Dominant quoi? Dominant 7 au moins. Dominant 7, Fa 7, n'est-ce pas? Et puis si bémol, soit majeur ou mineur. Le 2-5-1, c'est vraiment valable pour les séquences. C'est le timing. On est dans le temps. Don't worry. D'accord, vous voyez, que ce soit pour le majeur ou le mineur, voilà le 2-5-1. Comment ça fonctionne? Ok, donc numéro 2, 2-5-1, tritonique, si vous voulez, 2-5-1 tritonique. En vrai, le 2-5-1 tritonique, là, c'est-à-dire il faut trouver l'accord triton, en fait le triton, l'accord de dominante qui est situé 3 tons, si vous voulez, en avant ou en arrière, de notre 5 de base. Vous voyez, si on a peut-être Do ici, le triton de Do, ça sera Fa dièse. Fa dièse 7. Donc le 2-5-1 triton, en vrai, il s'agit de faire un 2-5-1 qui considère lui, cet accord-là pardon, comme le 5. Donc si lui il est 5, son 2 c'est quoi? Pour parler comme les deux. Ah non, je ne suis pas d'accord. En fait, quel est le deuxième degré? Lui, on suppose que lui, il est le cinquième degré. C'est simple. Hein? Pour trouver, vous avez trouvé en fait, le triton de Do. Donc, Do est 5, Fa dièse 7 est 5 maintenant. On cherche maintenant le deuxième degré. Si lui, il est le cinquième degré. Donc, ça suppose que le deuxième degré, c'est Sol dièse. Deuxième degré. On considère que Fa dièse 7 est cinquième degré. Donc, le deuxième degré de quoi? Non, on considère que
fa dièse 7 est cinquième degré d'une tonalité. Donc le deuxième degré de cette tonalité, c'est ça. Do dièse. Voilà, do dièse. Do dièse mineur 7. Ouais. Parce qu'en fait, en vrai, c'est une question de cinquième degré. Voilà, donc fa dièse 7 est cinquième degré. Donc ça, on veut chercher le deuxième degré dans la tonalité là. C'est do dièse. Donc ça vous fait, alors, pour cette progression là, si on revient à ça, on aurait dû faire ça ici, alors, rapidement. Donc le triton de Fa7, ça sera quoi alors? Tout le monde comprend ça? Non. Toi, c'est chaud. Tu comprends pas. En fait, pour trouver le triton, il faut compter juste trois. En avant et en arrière. En avant comme en arrière. En vrai, tu veux remplacer ton accord 7 qui est là, le Fa 7. Donc, tu comptes trois ton avant. Trois ton avant, qu'est-ce que tu trouves? Maintenant, pour savoir compter aussi. Bien que c'est ça. Donc, trois ton avant. Tu as Sol, ensuite tu as La, et tu as Si. Voilà. Tu as vu maintenant? Voilà. Donc, maintenant, tu considères que Si 7 est 5e degré d'une tonalité. Donc, le deuxième degré, ça sera quoi? Si Si est 5, c'est que 2, le deuxième, c'est quoi? Fa dièse. Fa dièse. Ouais, on dirait. C'est bon, hein? Bon, moi, il y a un gars, une fois, il est venu chez moi, il a trouvé une technique simple. Il dit non, mais c'est 5. Si je fais triton de lui, là, ça veut dire triton de lui, là aussi. Ça marche aussi. Voilà. Donc, il a fait triton de 5. Et il a fait triton de 2. J'ai voulu me jouer le professeur, toi, dangereux, mais il a raison. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Il a fait triton de Fa 7. Il a trouvé Si 7. Il fait triton de Do mineur 7. Ça sert à quoi, alors? Ouais. C'est une autre approche aussi. Hein. Qui comprend ça? C'est simple, non? Fait le triton du 2 là, le triton du 5. Et donc ici, ils en ont fait. Fa dièse, mineur 7, Si 7. Et on résout sur. Sur Si bémol. Majeur, mineur. Ah, c'est bon? On peut. Les notes? Non. Avant, oui, ça va. Question? Ou bien tu veux. Tu veux. Flasher ça. Donc, petit calcul chap-chap. Hein. On veut mettre 1, 2, 5, 1 là. De dominante. Et ensuite 2, 5, 1 tonique. Comment on fait? On veut arriver ici. Le 2, 5, 1 de dominante d'abord. Ok, donc ça en fait quoi? Déjà, on fait un sol mineur 7. Bon, et puis la quinte, ça sera un 2, 7. 2, 7. Tout le monde a vu, tout le monde a vu. Donc en fait, comme je vous ai dit là, quand on dit 2, 5, 1, l'accord avec lequel on s'en va, il devient le 1 en fait. Oui, à chaque fois c'est comme ça. Mais pas que ça vous envoie. Parce que les gens pensent que quand on dit 2, 5, 1, c'est par rapport au premier degré de la tonalité seulement. Tous les degrés ont droit au 2, 5, 1. C'est comme ça. Donc ici, il a parlé de Sol 7, Do 7. Mais c'est dans le timing qu'il faut mettre ça. Hein. On va juste savoir. Maintenant, par rapport au triton, ça sera quoi là? Ici, le 5 et triton. Vite, vite, la dièse. La dièse. Ah ouais, pourquoi? Le deuxième. Ah ouais, c'est vrai, tu fais ça. Tu as mis là. Ça t'a mis un peu. Ok, donc. Le triton du 2, c'est Do dièse. On va aller Do dièse mineur 7. Ok. Ensuite, la quinte qui est. Attends. Bon, en fait, on a déjà un 2, 5 ici. Donc, il faut faire les tritons de chacun, en fait. Okay. Voilà. Donc, lui, ça sera quoi? Do dièse. Do dièse, ok. Do dièse, comme ça. Et puis, pour lui, tout le monde voit ça. Ok, voilà. Donc, vous faites un peu pareil. Peut-être. Par contre. C'est vrai qu'il faut, il faut connaître la théorie et tout, mais dans ce qu'on fait, rechercher à chaque fois la musicalité, il ne faut pas que ça soit chargé. Voilà, parce que tu peux connaître le 2-5, mais tu ne vas pas mettre partout.
On aura rapidement 6 7. Par contre, un petit détail, quand il s'agit des accords mineurs, le 2, le plus souvent, quand il s'agit des accords mineurs, sur le 2, il est 5B. Quand vous voulez faire un 2, 5, 1 mineur, le 2 là, pour la couleur en fait, vous allez sentir la différence rapidement. Donc voilà. À droite, je vais la batterie là-bas. Si on paye les amps avec le dessin tectonique et une verre, comment ça sonne? Le dessin tectonique. Réservez d'abord les questions. On va finir dans 5 minutes et puis on prend les questions comme ça on peut avancer avec le temps. Désolé, merci. Donc, vous voyez, un peu Lina, c'est le chanteur qu'on aime. Ça va? Ok. Donc on a 1 et 2, ok. Donc on avance. Le troisième, moi je l'appelle 2, 5, 1 frigé. Peut-être que vous avez un autre nom. On va vérifier ensemble. 2, 5, 1 frigé. Ok. 2, 5, 1 frigé. En fait, là on va parler de mode un peu, mais je vais vous simplifier la chose. On ne peut pas parler de mode et tout ça. Sinon, on voit que c'est par rapport au mode. Donc, vous avez peut-être. Je prends Ré 7, Sol 7, qui va sur Do, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que vous appelez 2, 5, 1 normal. 2, 5, 1 dominante. Maintenant, le 2, 5, 1 frigé. En fait, il faut voir dans le mode phrygien de celui-là, la dominante. Donc, mode phrygien, j'ai un objet de me préparer. Bon, ok. Notion de mode. Le mode phrygien, vous savez, c'est super simple. Hein? C'est le mode qu'on construit sur le troisième degré. Donc, si on suppose que sol est troisième degré, le mode, ça fait quoi? 1, 2 bémol, 3 bémol, 4. 6 bémol, 7 bémol, 1. Voilà. Mais c'est simple, on laisse le mode. Pour avoir le 2, 5, 1 phrygien, il faut compter un ton et demi au-dessus de notre accord de base. Donc, un ton et demi, ça fait quoi? Au-dessus de sol 7. C'est fini, on ne parle plus de mode. Ouais. Donc, vous avez trouvé le 5, même formule. Si 6B est 5 d'une tonalité, c'est que le 2 c'est Fa mineur. Donc voilà, pour faire simple, hein. Voilà. 2, 5, 1 frigé. Vous jouez ça. C'est un peu chic quand même ça. Déjà même à l'écriture, c'est chiant. Dans le normal, ça vous fait. On fait ça peut-être sur l'agneau ou sur le. C'est ça.
5 heures frigeur, c'est pas mal. Hein. Ah, ok, cool. Cool. Bon, pour voir si vous avez compris, si on avait peut-être ça, il va suivre fin. Donc le 2-5 heures frigeur, ça sent quoi? Chop, 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 10 secondes. On a quoi? Voilà la progression de base. Ok, on en parle. On en parle, oui. Bon, en fait, on va. Il ne s'agit pas de tonalité, il s'agit d'accord. Si demande 1 007. Si demande 1 007. Pour remplacer le. Donc, ouais, même, y a, on peut faire. On peut utiliser la, le même principe, hein, c'est-à-dire que on compte un temps et demi pour le deuxième degré. Et un temps et demi aussi pour. Ça marche. Donc ça fait quoi? 6 bémol, 6 bémol, 7. 6 bémol, 7 bémol. Ah, ça c'est beau, hein. Ça le fait, hein. Ok, ça c'est bon. On clean ça. Ok. Il me reste combien de temps? Mais tu me stresses. Ok, ça. Donc c'est bon. Bon, check ça vite. Il n'y a pas en photo. Comment va ça? Ok. Ok. Il y a un autre, il faut que je. Il faut que je trouve un bon nom pour vous en français. Ça fait, je place le 2-5 hein, et puis ensemble, on va trouver le nom. Vous êtes d'accord avec ça aussi? En vrai, si vous avez peut-être comme ça, qui va suivre, il y a possibilité de faire ça. Aujourd'hui, on est à la NASA, on va créer quelque chose. On a, vous proposez un nom. En vrai, on peut remplacer le sol 7 là par 6-7 en fait, dans la progression de 2-5. J'ai envie de dire 2-5 heures de relatif. Pourquoi? Parce que regardez, normalement, lui, il doit résoudre sur quoi? En termes de 2-5 heures normal. Si on est en tonalité de sol, un truc comme ça, peut-être mi mineur, n'est-ce pas? Mi mineur. Mais en vrai, mi mineur et do sont quoi? Donc pourquoi pas utiliser. C'est ça en fait. Maintenant, trouvez le nom, c'est vous qui partez avec toi. Moi, je fais la musique. Donc, en vrai, ça va faire ça. Si on fait 2-5 heures. Ouais. Non, ça va souci, c'est tout.
5 heures de relatif. Ouais, c'est ça, c'est de relatif. Maintenant, le dernier, et on a fini. Et on a fini. Ça, c'était le. Ça, c'était quoi? 4 alors? 4. Ah ouais, 4. Hein. Non, non, ça va. Ça va. Ça va. Donc, 5. 2, 5, 1. De la 7e. Ouais, de la 7e. Donc, regardez, quand vous faites, par exemple, ça, qui va sur dos. Dos comme ça, tout court. Regardez, donnez-moi la 7e de ce tapot-là. En vrai, les 2, 5, 1, l'opération se passe toujours sur celui-là, sur le 5. C'est par rapport à lui. Fa. Donc, on peut remplacer Sol 7 par Fa 7. Ah ouais, donc, qu'est-ce que ça fait alors? Ça fait quoi? Pour le sud-do, si Fa est 5e degré de tonalité, c'est que le 2e degré c'est Do mineur. Vous êtes d'accord? Donc, Do mineur, Fa 7, majeur. Si vous partez sur majeur par exemple. La basse fait quoi sur le La basse. Mais c'est clair là. Ou bien la basse. Oui, c'est le de la 7e, mais 2, 5, 1, blues et lui. Ça fait un genre, on vient de créer ça ensemble. Hein. Voilà. On vient de créer. Donc c'est notre 2, 5, 1, hein. Le 5e, c'est nous qui avons créé ça. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, sinon on avait essayé des situations où on étudie tous les 7 types de 2, 5, 1. Mais voilà, c'est un prof qu'on a dit. Allez travailler. Oui, Moi, je remarque. Bon, on prend les questions en même temps. Moi, je remarque quand tu joues, Alors, qui a été celle-ci? Qui a été content d'être là? Qui ne regrette pas? Voilà, vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Nous aurons encore d'autres masterclass qu'on va organiser. Dans le Père, il s'apprend qu'elle est là. Il y a beaucoup de thèmes sur la face. Voilà. Il y a le Père Elézéa Djé qui est là. Il y a l'autre aussi qui est parti. Vous dites qu'il y a encore d'autres. Donc restez à l'écoute. On a déjà vos numéros. On va toujours vous contacter. Et soyez prompts. Et que le Seigneur vraiment nous bénisse. Amen. Et qu'il nous donne vraiment de mieux le servir à travers la connaissance qu'on vient d'acquérir. Au nom de Jésus. Alors, on va tous se tenir debout. On a commencé avec la prière, on va terminer avec la prière. J'invite mon frère Vance. Voilà, au mot de fin, et puis tu prie pour nous tous. Bon, rebonsoir à tous. Voilà, je pense que je me suis bien présenté. Hein. Le nom est déjà passé. Voilà, ceux qui causaient beaucoup par avoir sa place, c'est avec moi que vous causez beaucoup. Alors, une fois encore, merci à Jean d'avoir accepté de tenir ce moment, de partager encore ses connaissances. Merci aussi au Père Point. Merci à toi et les aides. Voilà. Alors merci à vous également pour la confiance que vous avez eue en nous. Merci beaucoup de nous avoir soutenus. Comme il a dit, il y a d'autres éditions encore plus grandes que celle-là. On continue. Il est là. On continue. Voilà. D'accord, donc comme il a dit, on va prier. Nous les chrétiens, on va prier. On prie le Seigneur. Père, nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te dire merci pour ce moment que tu as rendu possible. Seigneur, nous te disons merci pour la vie de tous ceux qui sont présents ici pour ce soir. Je prie que tu bénisses les différents talents et que tu les élèves pour la gloire de ton nom. Merci éternel pour Jean et son staff. Je prie que tu les élèves davantage, les fasses grandir encore dans le domaine dans lequel tu les as appelés, afin que la gloire te revienne car tu es sûr. Au nom de Jésus. Amen. Amen.